Salut les amis, c'est Thanos. On se retrouve cette fois-ci sur Captain Tsubasa Dream Team. Et oui, on n'est pas sur Nioh. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué à Nioh. Et d'ailleurs, Captain Tsubasa en est l'une des causes de l'arrêt justement de mon activité sur Nioh. Parce que c'est un jeu passionnant, c'est vraiment un très très bon jeu mobile et il y a énormément de choses à dire dessus. Là ça va faire bientôt un an que je joue à ce jeu là et du coup je commence à bien le connaître. D'ailleurs je vais vous dire combien de jours précisément j'ai fait sur ce jeu. Nombre total de collections quotidiennes, 348 jours. Voilà, donc d'ailleurs dans 2 jours je récupère 10 Dream Balls, donc ça c'est cool. Je vais pas vous expliquer tout de suite à quoi ça sert les Dream Balls. Là c'est vraiment une vidéo très rapide pour faire un espèce de petit teasing et annoncer un petit peu mon retour sur la chaîne. J'espère avoir le temps de faire des vidéos un petit peu plus régulières. Et voilà, développer un petit peu sur ce jeu, parce que comme je l'avais fait sur Nioh la dernière fois, j'attends d'abord de bien connaître le jeu, d'avoir vraiment bien joué pour pouvoir justement discuter et pas vous raconter trop de bêtises dans les vidéos. Bien sûr, je ferai peut-être des petites vidéos qui s'adresseront aux joueurs débutants ou voilà, qui commencent à être un petit peu confirmés, hein, les pro players et les gens qui connaissent mieux le jeu que moi, mes vidéos seront pas forcément adressées à eux. Donc du coup, on va essayer de se retrouver un petit peu sur ce jeu qui est vraiment mortel. Moi, je suis de 83, donc génération Club Dorothée, donc forcément Olive et Tom, j'étais obligé de m'y mettre. Voilà, en tout cas, il y a plein de choses à dire, ça fait un an que je suis dessus. Il y a plein de détails et surtout, il y a plein de choses à ne pas faire, plein de conneries que j'ai faites et qu'il ne faut surtout pas reproduire. Et c'est aussi pour ça que je vais vous faire des vidéos, c'est pour aider les débutants et puis ceux qui ont commencé il y a pas longtemps, parce qu'on peut vraiment vite franchement cramer un compte. Moi j'ai failli cramer le mien et je vous raconterai un petit peu comment j'ai fait pour le sauver entre guillemets, et grâce à qui aussi, parce qu'on m'a pas mal aidé dans ma conf, donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans pas mal de petites vidéos. J'espère que je pourrai justement avoir du monde et qu'on pourra discuter un petit peu de ce jeu qui est vraiment ouf. Ça va être le moment de commencer ou de recommencer, parce qu'on arrive sur Noël et que dans 2 jours c'est le lancement de l'anniversaire de la version globale, si je vous dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, ça va être intéressant, il y aura plein de bonus et ce sera le moment de commencer des équipes, de commencer à jouer, à farmer, etc. Donc voilà, j'espère qu'il y aura du monde au rendez-vous, je vous dis à bientôt. Vous connaissez le dicton légendaire, dans la vie, pour se revoir, il faut se quitter. Sur ce, à la prochaine.